C'est-à-dire qu'à tout moment, je me fais dessus. Alors les gens, je viens de poser un bronze. Hey, salut tout le monde, c'est Koga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Joy of Creation, Halloween Edition. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais il y a longtemps de ça, j'avais dit pendant un de mes streams que si j'arrivais à 200 abonnés, je ferais une vidéo sur Final Fantasy 3. Le problème, c'est que j'ai essayé, enfin, on a essayé, parce que vous vous doutez bien que je ne suis pas seul pour cette aventure incroyable. Non, parce que sinon c'est pas compliqué, vous n'aurez jamais vu... Vous auriez pas eu la chance de voir cette vidéo parce qu'il serait mort avant. Oui, j'aurais fait un arrêt cardiaque. Oh putain, la vidéo elle aurait duré 3 heures le temps que j'arrive. Ouais, ouais c'est ça. Le temps que t'arrives jusqu'à chez moi et que tu me réanimes. Reviens. C'est ta vidéo à faire. Mais donc du coup, on devait faire ça, le seul problème c'est qu'à chaque fois on avait un problème de soit le son du jeu n'était pas enregistré, soit notre voix n'était pas enregistrée et ça a fini par nous saouler. On a essayé plusieurs fois sur plein de jours différents pendant quasi des une mois. Année. Ouais, quasi une année et on n'a jamais réussi. Du coup, on a abandonné. Et donc, du coup, bah, je vous présente après 2 ans de retard la vidéo spéciale de Saint Bonnet. Bon, entre temps, il y en a 850 de plus, mais faut pas le dire. Ni vu ni. Voilà, à l'heure actuelle on est à tant d'abonnés, ça sera marqué quelque part. On est tu es à 750 je crois si je dis pas de bêtises. 740 il me semble. 740, à peu près. Je dois être à 740 là en ce moment, mais on verra au moment où je fais le montage. Et donc du coup pour vous remercier d'être aussi nombreux, et ben je vais mourir sur un jeu d'horreur. Voilà. C'est beau comme preuve d'amour. Franchement, ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bon, alors du coup, après cette légère coupure. Because Mister a oublié de descendre la sensi de la manette. Oui, donc oui, je joue à jeu à la manette alors qu'il joue clavier souris. Parce que sinon, bah, je pourrais même pas jouer. Moi qui essaie de repousser un maximum l'échéance, pas du tout. Absolument pas. Moi qui veux absolument qu'il crève totalement. On déclenne, bon, on accepte. Hello? Hello there. I see you're in quite the trouble. Who is this? Who I am is not the problem now. The problem is that you're currently in a cat and mouse game. What? What are you- Listen closely. The complex you're currently in is like an anchor to the dead. While it still remains standing, it keeps enraged spirits inside it. You have to destroy the complex. And how would I do that? Find and destroy the weakened pipes around the place. Try using a blunt weapon, such as a hammer, to break the pipes open. The flammable gas will be released, then get back to the entrance of the building and light it up with a lighter. But... Oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. And he doesn't like, visitors. Who? Who he is not the issue. What he will do to you if he catches you. If you just happen to run into him, don't run or shine your light at him. Hide as fast as you can, and either wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone. Wouldn't I kill myself by blowing this place up? Who is he, and how do you know all this? Oh, let's just say I have some, history with the place. What is that? Damn it. Voilà, donc au moins vous avez 10 minutes de l'histoire, un peu la compréhension du truc grâce aux sous-titres. Moi, être en... avoir déjà chaud et être en apnée. À ta gauche. Donc en gros, là, faut trouver un marteau pour péter des tuyaux qui est des fuites de gaz et tout faire cramer. Sauf que, même s'il y a eu les sous-titres, on va faire des précisions qui sont pas énoncées parce que, comme vous avez pu. Le voir, le phone guy, on va dire, est de type très. Ne parle pas beaucoup. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que littéralement, on a fermé une trappe au cul et donc on doit s'occuper de ce lieu, ma foi, très sympathique. Franchement, moi je dirais pas non pour habiter là-bas, hein. C'est très beau, c'est très classe. Hein. Sauf que, voilà. Comme vous pouvez écouter à notre gauche, ça c'est pour le spring trap, exemple. Qui grince beaucoup, franchement, faudrait mettre de lui, chef. Mais, et donc, le truc, c'est que faut faire toutes les tâches. Donc, vous avez vu un petit peu être en mode épileptique tout à l'heure.
Et donc on doit faire plusieurs trucs. Donc là, péter les tuyaux par exemple. Sauf que bon, il y a Springtrap qui est pas bien loin. Donc pour ça, il faut trouver l'office de FNAF 3 dans lequel. Ça c'est le point début. De départ. Dans lequel il y a du coup le marteau. Qui va nous permettre de péter les tuyaux tout simplement. Exactement. Bah je suis. En fait je sais pas que je suis mort de Springtrap, c'est que je suis mort de trouille et du coup j'ai arrêté. Ah trop tard. Oh. Oh. Oh, il était magnifique celui-là. Je dois être tout blanc. Là on mérite. Là, un like. Ah là, qui égale un soutien et égale à. Je crois que je vais retirer mon kigou, je vais terminer à poil. Alors non, sinon je tape. Putain, mais ce tuyau à chaque fois il me fait peur, moi. Le tuyau qui brille en rouge, je crois, c'est ses yeux, le con. Le demi-tour gauche que t'as fait. Alors non, je m'en vais, monsieur. Alors je suis pressé d'avoir entendu. Donc... T'es mort. Oh, le sursaut qu'il a tapé. Je suis déjà au bout de ma vie, bon, alors. J'ai déjà chaud. C'est moi aux commandes, bonjour, bonjour. Viens, oui, bah, viens me tuer, vas-y, viens. Attends, je le t-bag. Mais, t'es con. Mais viens. En fait, je veux qu'il vienne me buter, comme ça au moins. Et surtout qu'en plus, l'autre, il m'envoie à la mort. Alors que je ne connais pas les touches. Il est parti par là-bas. Enfin, moi, je vais voir pour partir par là-bas. Trop tard. C'était obligatoire. Ouais. Il me suivait trop. Je vais perdre 20 kilos dessus. Ah oui, si vous m'entendez pas, c'est normal. Hein. J'arrive pas à parler fort ni rien parce que. Bah avance toi au moins. Je suis en train de caler. Ouais, mais plus je suis loin de l'écran, mieux c'est. Chope-toi bien les streamers dans la gueule. Regarde comme ça. Oh, espèce de connard. Oh putain, bonjour. Bah fais peur. Mais regarde bien au sol dans la salle, peut-être. J'ai déjà fait pendant l'appel. Ah! J'étais à 10 secondes près. Non, il est à gauche, le pauvre. Vu le son. Voilà, donc à droite. Perfect. Oh, mais le coup de bug que j'ai eu pour le marteau, en vrai. En fond. Ah, t'avais pas vu, je crois. Trop tard. Je me suis paumé. Non. Ah, tu lui as apparu sous le pif. Non. Putain. Arrête. Oh, ce mec, ça se voit qu'il a pas l'habitude des screamers. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Je déteste les screamers. J'ai beaucoup trop de mal. J'adore parce que moi je suis en stress total et puis lui il est carrément en mode. Bah les couilles. Le truc c'est que tant que tu l'entends pas, c'est pas dérangeant. Tu peux même être comme ça si t'as envie. Voilà. Ouais, non. Ah, pourquoi tu m'as pas chopé? Enfin, l'autre il a fait un stop et il a fait oh non, j'ai pas envie de te bouffer maintenant. Dès que ça tourne violent, il est obligé de s'arrêter. Mais t'arrêtes de sursauter ? J'ai sursauté de vache, hein. Mais si, t'as chaud, alors. Bah oui, c'est normal. Non, non. Le truc, ce qui est horrible, des fois on l'entend et des fois on l'entend pas. Tiens, meurs. Et en plus, je t'ai décliné la pelle, donc va crever. Je meurs déjà bien assez, même juste en te regardant tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que moi je serais clavier et souris, je m'en sortirais déjà mieux. Parce que rien que là. Oh, c'est pire qu'à moi. Ok, donc du coup, on est parti pour la dernière game avant la fin de cette vidéo. Voilà. Spécial clavier souris. Voilà, mon ami Sky ici présente va jouer, va faire une partie en clavier souris. Parce que là, elle joue à la manette comme moi, donc elle était un peu désavantagée. Ah, si vous entendez moins bien aussi, c'est logique. Hein. Ouais, parce que le micro est bien tourné vers moi. Faut éviter les méga grosses touches du clavier. Et des fois, si je me mets dans le noir complet, c'est logique, j'écoute. Ah, attends. Je l'ai pas passé là. Je sais pas, il est où. Oh, les écouteurs, c'est une merdique. Ni vu ni que lui. Mais vous dire mon temps, merde. Ça, c'est une complexité, dis donc. Ah, bonjour. Ça, c'est fait. Ah, il était là. J'ai bon. Même... Attends, je te l'ai pris, j'ai même pas vu. Par contre, le bruit de cassage de pipe, on va dire. Mal aux oreilles. Trop tard.
peut-être pas. Gagné. Bonjour. Tiens, je t'ai... T'es beau, toi? Ça va? Je te t-bag? Ah bah voilà! Bon, bien du coup, les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir parce que là, j'ai failli crever au moins 10 fois d'un arrêt cardiaque en moins de 1 seconde. Wait, what? Ça n'a pas de logique. Ah, vas-y. Ceci était donc la vidéo spéciale 700 et quelques abonnés. Hein, on va dire, 750 abonnés au lieu des 200 comme c'était prévu à la base. Bon, c'était pas prévu sur ce jeu-là, mais. C'est un peu la même chose, vu qu'il y a Spoon Trap dans tous les cas. Eh ben allez tout le monde, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Koga et moi, on vous dit bonne journée, bonne soirée, comme vous voulez. On vous dit à très bientôt, ciao tout le monde. Peace, on se regarde. Les gros tarés.